point numéro 6, c'est les finances, le budget principal, la décision modificative numéro 1, et là je laisse la parole à Madame Mariol. Donc, je vous présente cette première décision modificative. Donc, on a des modifications à la section de fonctionnement en dépenses au chapitre 11 sur les charges de caractère général. On a une augmentation de 171 550 euros qui consiste à l'augmentation du compte 605 d'achat de matériel, équipement, travaux de 45 000 euros. Les travaux en régie atteignent aujourd'hui 91% de réalisation. Augmenter le compte 61-35, location mobilière de 30 000 euros, de location de films pour le deuxième trimestre, semestre 2021. Augmenter le compte 62-32, fête et cérémonie, de 96 550 euros, du fait de la reprise d'activité et autres manifestations. Au chapitre 65, autre charge de gestion courante, plus 8 961 euros. C'est le compte 6542 qui consiste aux créances éteintes. Au chapitre 62, charges exceptionnelles, 87 818 euros. On augmente donc le compte 673, titre annulé sur l'exercice antérieur, de 87 818 euros suite à l'ajustement de l'attribution des attributions de compensation. En recette, au chapitre 42, opération d'ordre de recette de transfert entre sections. On augmente le compte 722, immobilisation corporelle, de 135 000 euros. C'est une culture d'ordre liée aux travaux en régie. Au chapitre 70, produits des services du domaine et des ventes diverses, plus 40 950 euros, qui consiste à l'augmentation du compte 70-323. Redevance d'occupation du domaine public communal de 1 600 euros, c'est un ajustement des recettes au réalisé avec la signalétique d'occupe et de commerce. Augmenter le compte 70-62, redevance et droits de service à caractère culturel de 36 550 euros, dont 38 000 euros de recettes du cinéma pour le second semestre 2021 et 6 550 euros de recettes de ventes diverses lors de la section culturelle. Saison culturelle pour le deuxième semestre 2021. Augmenter le compte 70-88, entre produits d'activité annexe, de 2 800 euros, c'est l'ajustement des recettes réalisées avec la participation de l'éco-énergie au feu des bandes électriques. Au chapitre 73, impôts et taxes, on a une diminution de 16 210 euros. On réduit le compte 73-211, attribution de compensation de 17 210 euros suite à l'ajustement de l'AC 2021. On augmente le compte 73-38, autre taxe de 1 000 euros suite à la convention d'occupation du domaine public pour les tournages de films. Au chapitre 74, dotation, subvention et participation, on a une augmentation de 100 134 euros. Elle consiste à l'augmentation du compte 7411, dotation forfaitaire de 49 708 euros suite à la publication de la dotation globale de fonctionnement, à la réduction du compte 74-123, dotation de solidarité urbaine de 672 euros suite à la publication de la dotation globale de fonctionnement, l'augmentation du compte 74-127, dotation nationale de péréquation de 41 883 euros suite à la publication du montant de la dotation globale de fonctionnement, d'augmenter le compte 744 FAC TVA de 360 euros aligné au réalisé, d'augmenter le compte 74-72 autres organismes de 8 855 euros qui aligné au réalisé qui correspond au versement de la MSA du Languedoc dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Au chapitre 77, produits exceptionnels, plus 8 455 euros. C'est l'augmentation du compte 77-88, produits exceptionnels divers, de 8 445 euros réalisés, alignés au réalisé, c'est le remboursement des assurances. En section de fonctionnement, en dépenses au chapitre 40, opération de transfert entre sections, il s'agit d'augmenter le compte 21-35, installation générale, agencement, aménagement et construction, de 135 000 euros, c'est une écriture d'ordre liée aux travaux en régie. En recette, au chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, plus 123 842 euros.
On augmente le compte 10-222 FCTVA de 58 000 euros, calculé après le vote du BP 2021. On augmente le compte 10-226 taxes d'engagement de 65 842 euros suite au courrier de la préfecture du 1er avril 2021. Au chapitre 13, subvention d'investissement, 11 plus 11 158 euros. Ça consiste à l'augmentation du compte 1388, autre de 11 158 euros, convention du CNC pour le cinéma, à hauteur de 100% des travaux engagés. Le projet de décision modificative numéro 1, dont vous avez le détail en annexe, s'établit à 268 329 euros en dépenses et recettes de fonctionnement et à 137 000 euros en dépenses et recettes d'investissement. Compte tenu de ces éléments, le budget 2021, budget primitif et décision modificative s'élève en dépenses et en recettes à 16 847 294 euros. En section de fonctionnement, à 5 753 465 euros en section d'investissement. Je vous propose donc de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 1 du budget principal 2021. Merci, Madame Ravion. Y a-t-il des questions ou des... Madame Sylvain. Le CA de l'année 2019 fait apparaître le compte 6232 en ligne budgétaire pour les festivités, réalisé de 242 170 euros. Dépenses normales pour la ville de Metz, ou une année normale sans Covid. Sur 2020, le réalisé s'est élevé à 153 980 euros. Beaucoup d'événements n'ayant pas été réalisés, ceux-ci s'est trouvé à moindri, ce qui est normal pour l'année Covid. Et là, je m'interroge sur l'année 2021. En effet, le budget provisoire prévoit 150 448 euros de dépenses pour les festivités de l'année. Si à cela je rajoute l'augmentation de dépenses de fonctionnement que vous voulez nous faire voter aujourd'hui de 96 550 euros, le total pour l'année 2021 s'élèverait donc à 246 998 euros, soit pratiquement l'équivalent du budget de l'année 2019, une année normale. Or, ce n'est pas une année normale pour les festivités. En effet, nous n'avons pas eu cette année les vœux du maire, le repas des anciens en janvier, qui s'est levé en 2019, à 25 282 euros, l'élection de la reine, 3 370 euros, la fête du printemps, 1 600 euros, l'huile de Corso, 40 000 euros, soit une économie, depuis le début de l'année 2021, de 70 248 euros. Donc je ne comprends pas cette décision de cette décision. Vous augmentez les dépenses en section de fonctionnement pour les festivités et cérémonies à hauteur de 96 000 euros. Donc je suis assez étonnée de cette somme. Est-ce que Mme Bernal, le conseillère déléguée aux festivités, pourrait éclairer mes lanternes sur donc, les festivités à venir qui demandent donc un budget de 246 000 euros pour l'année 2021 ? Merci. Donc, Mme Sylvain, j'ai bien compris. Oui. Question. Le CA, ok, d'accord, c'est vrai, c'est 246 000 et quelques. Par contre, au BP, la ligne budgétaire pour les festivités, c'est combien ? 158. Moi, c'est 118 000. Je vais vous vérifier. 118 000. Non, 158. Je pense que vous avez trouvé 158. Ben, sur le BP. Je vais dire aussi de nature à nature, il faut regarder par ça. Et on y ajoute, oui, 94 000 pour arriver à pratiquement 200 000, oui, pour les festivités. C'est pas 246 000. Oui. Bah, vous vérifiez, hein. J'ai vérifié justement. Alors, je pense qu'on a vérifié en long et large et en travers, parce que quand j'ai fait ajouter 96 000, ça a coincé un peu, donc je pense que c'est pas. Je ne sais pas, mais bon, on vérifiera, mais là, le budget primitif que nous avons ici, c'est 118 000, hein, pour moi. Hein, donc, bon, écoutez, et on ajoute 98 000, oui, parce que lorsqu'on a fait le budget primitif, la situation sanitaire, vous savez, était ce qu'elle était, elle évolue de jour en jour, qui aurait dit que demain, on met les masques à l'extérieur. Non, je suis assez étonnée puisque sur l'année 2021, donc j'ai calculé par rapport à ce que j'avais donc sur les autres années. 2021. Oui, sur cette année, depuis le début de l'année, donc avec tout ce que j'ai énuméré d'événements qui ne se sont pas produits,
on a quand même économisé 70 000 euros. Enfin, économisé, on n'a pas dépensé à peu près 70 000 euros sur le budget des festivités. Donc, si vous me dites 200 000, puisque vous avez soit et qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave. 200 000 plus 70 000, ça fait 270 000. Donc, dans ces cas-là, l'année prochaine, en 2022, vous ferez un budget de 270 000 euros pour les festivités. Attendez, madame, là aujourd'hui, donc, au vu des demandes donc, pour organiser les festivités comme il se doit, durant la période estivale jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, eh bien, il a été estimé un besoin de 94 000 euros. Hein. Donc, c'est prévisionnel là aussi. Hein. Si on, tant mieux si on ne dépense pas. Je suis entièrement d'accord. Hein. On ne va pas faire des chèques comme ça pour faire plaisir. Hein. Donc, on prévoit, au vu des prévisions, il est prévu donc 94 000 euros nécessaires pour faire des festivités que nous n'avions pas prévues au mois de mars. Là, si... Mais qu'est-ce que vous avez de si exceptionnel que ça de prévu depuis la fin de l'année? On a de prévu pareil. Vous avez quand même les dépenses de la fête de mai, qui sont près de 80 000. On ne s'est pas aligné, on a réduit les dépenses de 2019. Hein. Voilà. J'ai demandé de réduire les dépenses de 2019. Je n'entends pas supplément parler en mais le micro, Véronique. Pour les festivités, on s'est aligné à l'année 2019 et on a réduit parce qu'en fait, l'année 2019 était une année exceptionnelle. Non, mais on ne fait rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai, il y a les fêtes normales que vous connaissez tous, les fêtes immuables de la ville de Metz. Donc, ça va partir de la Saint-Pierre le 4 juillet, ensuite le 14 juillet. Saint-Pierre n'est pas sur le budget de festivité, elle est sur le budget de la culture, alors que ça a changé entre temps. C'est possible. C'est possible. À mon avis, c'est sur le. On a mis. C'est pareil, ça fait pas partie de festivité, ça faisait partie de la culture, donc je ne sais pas si vous avez changé entre temps. Mais bon, le budget, donc si vous ne croyez pas comprendre. Si j'avais pu mettre que 52 000 euros, je remis que 52 000 euros, croyez-moi. Non, c'est juste que j'étais étonnée par cette somme que je trouvais conséquente. Et donc, moi je aussi, voulais savoir en face ce qu'il y avait pour les mais avec plaisir, on vous le dira. Donc, apparemment, il y a rien de nouveau. Merci. Non, il n'y a rien d'exceptionnel. Pas d'exceptionnel, merci. Non, on ne peut pas oublier, non. Il y a des fêtes normales, et encore, avec les restrictions sanitaires qui s'imposent. Hein? Oui, il y aura des ajustements. Voilà. Bien, autre question. Avec... Oui, une question. Une observation, donc la somme de 17 210 de DM, elle sera complétée d'ici la fin de l'année ou pas? Non, la prochaine. Ça, c'est l'estimation pour entre maintenant et... Et la fin de l'année. Et la fin de l'année. D'accord. Et l'an prochain, c'est 28 000. Si on a le même nombre d'actes. Voilà. D'accord. Deuxième observation, vous avez parlé d'un bruit de la préfecture sur la taxe d'aménagement. Vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Bon, on pourra le consulter. Vous pouvez le consulter, bien sûr. Non, je viendrai le consulter, c'est bon. Oui, direction départementale des territoires. Ça les fait. Taxe d'aménagement, parc communal, facture 435 307 à 129 000, total montant 315 800 euros. Voilà, donc la question c'est qui suit ça? Qui suit ça? Oui. Les finances et en lien avec. Parce qu'on avait essayé à l'époque de suivre. Suivre les permis de construire. Voilà, de suivre en fait le circuit de paiement, et c'est important. Et on n'est jamais arrivé à vraiment au profil avec les entre etc. Donc ça serait intéressant. Alors ensuite, moi, je rappelle qu'il n'y a toujours pas de commission des finances. Donc c'est bien dommage parce que les questions sur les liens ont été posées là. Je rappelle aussi que le budget primitif qui a été voté donc, a été voté sans un état obligatoire. Je le rappelle pour la troisième fois. C'est pas une demande d'Albigo ou d'Agirpomez, c'est l'article L2123-24-1-1 applicable cette année qui dit, je vous le lis, je cours, chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat, au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie, ou de toute société mentionnée au livre 4 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année avant l'examen du budget de la commune. Ça n'a pas été fait quand on a voté le budget, ça n'est toujours pas fait lors de l'ADN. Alors, on va éviter les procédures pour recours. On fait des polémiques pour rien. Donc, ça sert très bien que cet état soit joint avec ce compte rendu du conseil. Ça nous évitera des problèmes. Tout à fait. Mais il n'y a rien à cacher, ça a été voté, j'en suis. Prenez en compte ce truc-là, hein, qu'on ne peut pas avoir des remontrances comme ça. Bien. Monsieur Baïza. En recette, chapitre 70, compte 70, 323, redevance occupation du domaine public communal. S'agit-il de reprise de l'activité économique et commerciale ou de personnes qui régularisent les impayés dus à l'UNMS? Chapitre 70 ou compte 70, 323, redevance et d'occupation du domaine public communal. S'agit-il de la reprise de l'activité économique et commerciale ou de personnes qui régularisent les impayés dus à l'UNMS? Je ne pense pas que c'est la reprise économique puisque les carasses sont gratuites. Donc, franchement, là, je ne sais pas la signalétique qu'elle a pu. C'est des recettes qui ont dû être versées à retard. D'accord, bon. Parce qu'à ce sujet, M. Ducourt recevrait un courrier prochainement pour avoir des explications. Sur quoi? Sur des personnes qui ont des biens communaux et qui restent plus de 2 ans sans payer fluide et loyer. Voilà. Pas plus. Et vous m'expliquerez comment est-ce possible. C'est tout. Je mets aux voix pour cette décision modificative numéro 1 qui est pour. Qui s'abstient? 8. Le point numéro 7, c'est le budget du port. Et je laisse la parole à M. Aspa. Oui, monsieur le maire, merci. Je dois indiquer aux membres du conseil municipal qu'au vu des réalisations budgétaires, il convient de section de l'investissement en dépenses, le chapitre 21, une augmentation corporelle, d'augmenter le compte de 21,82, matériel de transport de 50 000 euros. En recette, chapitre 16, emprunt et dette assimilée, d'augmenter le compte 16,41, emprunt d'un euro de 50 000 euros. Compte tenu de ces éléments, le projet de BM numéro 1, joint en annexe, s'établit à plus 50 000 euros en dépenses et recettes d'investissement. Le budget 2021, budget primitif et décision modificative, s'élève en dépenses et en recettes à 529 985 euros. La section de fonctionnement État, 572 345 euros en section d'investissement. Je propose de bien pouvoir approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du port de Metz. Vous avez ensuite l'extrait de registre délibération du Conseil. Je vous remercie. Bien, ça se passe, c'est pour l'acquisition d'un véhicule, je crois, et du matériel qui m'a fait. Il s'agit d'un véhicule, comme nous sommes dans un cadre de port propre, de port aux normes à Nord, c'est un véhicule qui sera un véhicule électrique. Bon. Question? Monsieur Maïsa. Oui, merci Monsieur Astor, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser. Dans le budget primitif du port voté le 17 mars 2021, vous envisagez la reprise du dispositif Bio8 projet NAPEX de la société Equocéan. Depuis 2018, nous ne sommes plus conventionnels de cette société, malgré l'accord du conseil portuaire et de multiples relances de ma part, et Bio8 ne sont plus en place dans le port depuis décembre 2020. Par contre, vous communiquez sur le sujet malgré l'absence de Bio8, notamment sur le label AVNOR du port. Alors je me dis, travaux du petit port, nurserie, ce sont des décisions prises en conseil communautaire, enfin, conseil portuaire, excusez-moi, et quel est le rôle du conseil portuaire dans les prises de décision? Déjà, le conseil portuaire a eu lieu récemment. Ensuite, le conseil portuaire n'a pas eu. Non, c'était le conseil de Morolin, pardon. Il n'a pas encore eu lieu dans le temps. Il n'y a pas lieu, il aura lieu jeudi ou le jeudi prochain.
Voilà, déjà, donc il n'y a pas eu lieu, donc on ne peut pas prendre la décision. Donc, je vais mettre ça en place. D'autre part, on est toujours en contact avec cette société. On a renégocié les prix et les prestations. Sauf qu'il y a eu entre-temps un épisode de Covid et que ça n'a pas pu être mis en place comme on le souhaitait. Voilà, mais c'est prévu et ça va être fait. Voilà, monsieur. C'est quand même depuis 2018. Hein. Oui, mais on a pris du retard et puis que ça se passe. Et ensuite, vous avez eu derrière les épisodes de Covid et ça n'a pas pu se faire comme on le souhaitait. Alors, je voudrais aussi faire une petite remarque. Comme Mme Estrada, avec sa plume acerbe, s'inquiète sur la gestion du port, notamment les anneaux, il serait souhaitable de mettre en place une commission d'attribution des anneaux. Et en même temps, je demanderai à Mme Estrada qu'elle m'explique comment est-il possible d'obtenir une place à le port en étant 65e sur la liste d'attente et cela en un an seulement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et par contre, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour, mais comme Madame Estrada se régale sur les réseaux sociaux de l'avenir, je me permets de lui faire cette remarque. Mais il y a un conseil portuaire, M. Maïzas, c'est le conseil portuaire qui discute, qui propose, on en discute, et après c'est validé par le conseil municipal. Aujourd'hui, cette question n'a pas été abordée en conseil portuaire. Je pensais que Mme Imbert, qui la dernière fois était intervenue, pouvait, lors du mini conseil portuaire qu'on a annulé immédiatement, puisse nous en parler, mais bon, elle était représentante, c'est plus Mme Imbert qui est présidente, on l'a appris à l'arrivée de M. Borgo, qui l'a remplacé jeudi dernier. Donc, bon, on est un peu. On ne sait pas. Si jamais il faut faire une commission, c'est le président, puisque c'est plus la présidente, du conseil portuaire qui le proposera, on en discutera et on verra ce qu'il en est. Voilà. C'est bon là. Je mets aux voix le point numéro 7 dans cette décision modificative du genre qui. Mais je fais. Oui. J'ai pas voté. Ah, vous êtes obtenu. Si. Non. Ah non, ça c'est le port. Oui, monsieur. Hop. C'est le port. Donc, qui est pour cette décision modificative numéro 1 du budget du port? Tout le monde est pour, à l'unanimité. C'est ça, monsieur Grain? C'est bon? Ok, merci. Le point numéro 8, c'est le restaurant municipal. Là, je vais faire parole à monsieur Rodriguez. Oui. Pour la décision modificative numéro 1. Au vu des réalisations budgétaires, il convient en section de fonctionnement en dépenses au chapitre 11, change de caractère général, diminuer le compte de 636 vêtements de travail de 150 euros. Au chapitre 67, change exceptionnelle, augmenter le compte 673, titre annulé sur exercice intérieur de 150 euros. Le projet de DM numéro 1, dont les détails sont joints à l'annexe, c'est-à-dire à zéro dépense en recettes et en fonctionnement. Compte tenu de ces éléments, le budget 2021 primitif de décision modificative s'élève en dépenses et recettes à 1 383 272 en section de fonctionnement et 106 302 en section d'investissement. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du restaurant municipal. Question là-dessus. Pas de question. Qui est pour adopter à l'unanimité le point numéro 9, finance encore, budget annexe de l'hébergement? C'est la même chose. Au vu de l'organisation budgétaire et combien en section de fonctionnement, en dépenses, chapitre 01, charge par carter général, de diminuer le compte de 615,21, entretien et réparation, bâtiment public de 30 euros. À chapitre 67, charge exceptionnelle, augmenter le compte de 673, titre annulé sur exercice intérieur de 30 euros. Le projet d'EDM numéro 1, dont les détails joints à l'annexe, s'établit à 0 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. Compte tenu de ces éléments, le budget 2021, budget primitif et décision modificative, s'élève en dépenses et recettes à 212 638 en section de fonctionnement et de 35 364 en section d'investissement. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'hébergement municipal. Question. Pas de question, qui est pour adopter. Point numéro 10, finance encore, admission en non-valeur des créances irrécouvrables sur le budget annexe du restaurant municipal. Donc je vous propose de...
l'État donc des produits recouvrables sur ce budget qui ont été dressés et certifiés par M. le comptable public qui demande de l'admission en non-valeur pour un montant de 615,36 €. Donc, M. Rodriguez, donc, M. le maire vous demande d'approuver cette admission en non-valeur au titre des recettes présentées par M. le comptable public pour un montant de 615,36 €. Y a-t-il des questions ? La question qui est pour ? Qui s'abstient ? 8, c'est ça, 8. Finance, le point numéro 11, c'est l'admission en créance éteinte au budget annexe du restaurant municipal. Donc, à la demande donc, du comptable public, donc, d'éteindre un montant de 436 € pour le restaurant municipal suite à la décharge de son compte de gestion de somme portée au dit d'État. Et je vous demande d'approuver cette admission en créance éteinte des titres de recettes présentés par monsieur le comptable public. Question ? Pas de question. Qui est pour ? Qui s'abstient ? 8. Personnel, monsieur Olombel. Donc la question numéro 12, c'est la délibération qui porte sur la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services de la ville d'Oise. Donc je rappelle que conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 28 janvier 84, les emplois de chaque collectivité établissant sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et que les communes de 2000 habitants et plus ont la possibilité de recruter sur un emploi fonctionnel un directeur général des services. Il est nécessaire de la ville de Metz et d'un emploi de direction qui aura pour mission de diriger sous l'autorité du maire l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation. L'emploi fonctionnel pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire de relevant de la catégorie A. L'agent détaché sur l'emploi de directeur général de service percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale de la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créé, sauf si son indice de grade est supérieur à l'indice de prix terminal de l'emploi occupé et il pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction, de la NBI et du RIS-7. Donc, il demande au conseil municipal, vu le code général de collectivité territoriale, vu les articles 34 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 comme disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 87-11-01 du 30 décembre 1987 modifié portant disposition statutaire particulière à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux assimilés, vu le décret numéro 87-11-02 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelon gouvernement indiciaire à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux assimilés, vu le tableau des emplois des effectifs, vu l'exposé de monsieur le premier adjoint, c'est-à-dire moi-même, de créer un emploi fonctionnel directeur général des services de la ville de Metz afin complet, de donner pouvoir à monsieur le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommés dans l'emploi seront inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? 8. Le point numéro 13, modification du tableau des effectifs. Monsieur Lambert. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'objectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services et en cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération doit préciser les grades correspondants aux emplois créés, les grades correspondants aux emplois supprimés, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé, s'il s'agit d'un emploi de non-titulaire créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3 de la loi précitée. La dernière modification du tableau d'effectif a été adoptée par le conseil municipal du 17 mars 2021 et le comité technique a émis son avis lors de la séance en date du 11 juin. Ainsi, il y a donc au niveau du budget général donc, une suppression de poste d'adjoint technique principal de première classe, bon, on n'est pas en retraite, la création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet de 30 heures et un poste d'emploi fonctionnel, comme vous allez l'entendre, de DGS. Donc, suppression d'un poste, création de deux postes.
Ensuite, il y a transformation de poste pour changement de quantité de temps. Donc, il y a une suppression de 3 postes d'adjoint animation 20 heures pour la création de 3 postes d'adjoint animation 30 heures. Donc, total 3 et 3. Ainsi, pour le budget général, suppression de 4 postes, création de 5 postes. Le tableau des effectifs de mars 2021 était de 222 postes budgétaires et pour juin 2021, il est donc de 223 postes budgétaires. Bien, y a-t-il des questions ? Pas de questions sur le tableau des effectifs. Qui est pour ? Qui s'abstient ? 8. Et nous passons à la question numéro 14, c'est l'urbanisme et c'est l'amélioration de l'habitat, je crois, des subventions de façade pour l'année 2021. Et je laisse la parole à M. Rodriguez. Les dossiers présentés ont été examinés par la commission d'opération rénovation façade à Centre Ancien, qui s'est réunie le 16 mars 2021. Ses membres ont donné un avis favorable au vu des dossiers présentés par le propriétaire suivant. Cochet Stéphane, 24 boulevard Foch, Borès Suzette, 7 rue de la Forbonne, Molinet, Marie-Josée, 8 rue des Ormes, Marie-Née Patin, Jacqueline, 15 rue Marie-Jaurès, Joyeux Fort Marie, 25 rue de la Faro, Michel Claude Noël, 12 rue des Remparts, Damien Stéphanie, 7 rue Alauzé, Canovalea, 5 rue de la Loge, Lemien Pascal, 2 rue Alauzé, et la SEC Philippe Roman, monsieur et madame Alain Grain, 29 rue Salicarno. Je vous demande d'attribuer et de verser la subvention aux propriétaires listés dans le tableau ci-dessous exposé, de dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget général de la ville, exercice 2021, compte 2135, STBS, de donner un pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant pour signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment la convention des propriétaires sur la base de modèle joint à l'annexe. Y a-t-il des questions ? Monsieur Brisa. Oui, la question de M. Rodriguez, quelle décision est la commission ou le conseil municipal ? C'est le conseil municipal. Bon, alors, je précise ici les questions. Hein. Alors, parce que je ne comprends pas. Bon, déjà, la commission a eu lieu le 16 mars 2021, c'est-à-dire il y a 3 mois. Il y a des personnes qui sont en attente de réponse, on leur avait promis des réponses au mois d'avril, et puis de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont déjà fini la façade. Donc, j'aimerais pouvoir savoir pourquoi il y a cette différence de traitement. Si vous parlez de monsieur et madame Alenguin, il y a une demande de dérogation qui a été demandée du fait qu'ils ont monté l'échafaudage pour réparer la toiture et ils souhaitaient faire la rénovation de la façade en continuité des travaux de toiture pour éviter de laisser trop longtemps l'échafaudage sur l'esplanade. Cette dérogation leur a été accordée. D'accord. Qui plus est, je précise, c'est que c'est interdit à partir du 1er juillet jusqu'à fin août d'installer des échafaudages sur cette rue, sur la rue Garibaldi, sur la rue de la Loge, sur le Téléspanu. Donc, ils ont demandé, monsieur le maire, c'est tout à fait normal s'ils avaient des travaux à faire, qu'ils montaient les échafaudages, qu'ils fassent la façade. Voilà. Ce que je veux dire, voilà, 3 mois après le passage conseil, et puis ce que je sais, parce que j'ai des personnes qui sont en attente de réponse, qui devaient avoir une réponse au mois d'avril et qui n'ont rien reçu. Alors bon, maintenant ils vont attaquer au mois de septembre. Voilà ce que je veux dire. Disons que depuis le 16 mars, le problème c'est qu'on n'a pas eu de conseil municipal. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que voilà, c'est, je comprends qu'il y ait des gens qui soient en attente. Il y a eu des courriers de demande ? Non, des demandes de dérogation, ils sont en attente. Ils sont en attente, mais c'est pas assez là-dedans non plus. Hein. Oui, c'est vrai, d'accord. Mais le problème, s'il avait fait comme monsieur et madame Lengrain, s'il nous avait fait un courrier, vrai, je pose la question, s'il avait eu un courrier, moi le courrier de monsieur et madame Lengrain, je l'ai vu et puis je les ai rencontrés.
si... Ouais, vous voyez, quand même, c'est le problème, parce que je veux dire, bon, tout, vous faites des dérogations, mais je... Mais c'est des dérogations plus exceptionnelles, hein, parce que c'est... Mais bon, surtout que c'est, ça traîne trop, je veux dire, voilà, entre la plante... Faire un conseil municipal pour essayer de le travailler autrement. Imaginez qu'ici on refuse, pour une raison. Mais c'est refusé, bien qu'il permet. Pour rien, c'est le risque. Ah, c'est le risque à prouver, oui, c'est juste une remarque. Je m'attendais à cette remarque. Mais voilà, je pose la question comme ça. Non, oui. Vous avez raison, la remarque est pertinente. Il m'a posé la question, il m'a dit j'attends depuis le mois d'avril. Voilà, Oui, mais après, ce monsieur ou cette dame aurait pu nous contacter pour savoir plus que la commission. Non, ça, c'est ce qu'on lui a dit. Et lui a dit, après, je ne veux pas chercher. On lui a dit quoi? Elle aurait eu une réponse au mois d'avril. Voilà. Et parce qu'on passait à faire un conseil. Ah oui, ça me tient à l'avril, le dernier conseil. Je vous dis ça comme ça. Voilà, mars. Bon, ouais, bon, mais la prochaine fois, mais après, exceptionnellement, parce que c'est sur un site qui est où les travaux sont interdits. Hein. Ok. Donc, je la mets au voie. Oui, monsieur. Une observation juste sur la commission. Oui. Donc, on a visité la salle des façades. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on arrive dans une rue et moi, je vois deux façades décrépites. Et je dis, oh là, il va falloir les faire. Et c'est pas celle-là qu'on a fait. Donc, oui. Ça veut dire que ma remarque, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir un système pour solliciter, informer les gens qu'ils ont une subvention de l'Amérique, qu'ils ont une subvention de l'aglo, pour essayer qu'on ait une cohérence, quoi. Parce que là, il va y avoir des travaux neufs sur une façade. Et à côté, ça va choquer. Et à côté, ça va être c'est encore plus décrépit. Je suis entièrement d'accord. Faut reconnaître. Oui, on peut peut-être le faire, c'est vrai. Je pense que ça serait pas mal de solliciter, quand on travaille sur une rue où il y a deux subventions façades, ça serait pas mal de contacter les propriétaires. Après, les propriétaires, ils ont les moyens, ils ont les moyens. Voilà, hein, c'est ça. On sait. Ça. Mais on peut au moins les informer de la totalité des aides disponibles. Moi, je propose ce soir, donc, il va y avoir sûrement un bulletin municipal qui va sortir d'ici quelques semaines ou quelques jours, là, ça y est. Je ne sais pas exactement. Donc, on peut déjà peut-être faire. Disons que la proposition, c'est de cibler sur les rues où on intervient. Oui. Pour faire ça. Pour sensibiliser les gens. Voilà. Oui, vous avez raison. Oui, c'est possible, ça. C'est possible. Et qui plus est. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est dommage. Voilà. Mais ce que je regrette, on est la ville donc, de l'agglo, hein, qui a demande le plus de participation pour la rénovation des façades. Je trouve que c'est une opération qui marche très bien. Hein, et puis, on voit bon nombre de façades qui sont offertes. Alors, c'est vrai, comme dit M. Galigaud, il y a des façades qui, malheureusement, ne sont pas les faire. M. Brissard. Oui, quand je suis venu voir le conseil, j'ai vu quand même qu'il y avait des courriers dans la bouchette que vous avez là. Il était quand même dit que c'était pas sûr encore que ce soit renouvelé. Non, il me semble, il n'y a pas. C'était pas encore sûr qu'il y aurait une nouvelle l'année prochaine. Pour la Glo, c'est conduit jusqu'à décembre, voilà, 2021, voilà. Et en 2022, on ne sait pas. Voilà. Par contre, au sujet du bulletin municipal, j'ai fait passer un petit article, normalement, dans le bulletin. Oui, mais comme je disais, vous êtes qu'on peut faire des courriers. Oui, on peut faire des courriers. Oui, la Glo, c'est vrai qu'il y a eu cette discussion où bon nombre de maires, je ne vais pas les citer, sont pour, bien sûr, la continuité. Qui plus est, la région, maintenant, va participer. Hein? Donc, c'est pour ça que ça m'étonnerait que l'agglo arrête, le président n'est pas tellement favorable. Voilà. Donc, qui est pour le DGS, je ne sais pas, c'est bon. Qui est pour l'unanimité, merci pour eux et pour les façades de la ville.